Alors notre recycleur ayant eu quelques problèmes avec la solidité, la fragilité des palettes en plastique, puisqu'il y a des palettes qui cassaient, il nous a demandé de ne livrer que des bouchons en plastique issus de boissons. C'est-à-dire que tout ce qui est couvert, tout ce qui vient des lessives ou autres n'est plus accepté. Alors, il y a quand même une compensation parce que jusque-là, la tonne de bouchons nous était payée 235 euros, alors que maintenant, ils vont nous le payer à 300 euros la tonne. C'est-à-dire que l'année dernière, par exemple, nous avions fait 5 camions. L'association avait perçu 8 225 euros. Si cette année, nous ne faisons que 4 camions, mais avec un prix supérieur, nous toucherons 8 400 euros, c'est-à-dire moins de tonnage, mais plus d'argent. Voilà, donc il faut être très respectueux dans le tri que nous allons effectuer. Oh Pascal, t'es Dieu. Vas-y. Allez, viens là. Allez, Marie-Christine.